Salut à tous, je vous fais une petite vidéo, une espèce de petit tuto. Alors c'est pas forcément là où je suis le plus fort, parce que je suis pas forcément quelqu'un de manuel, mais pour vous montrer comment faire. Alors vous vous souvenez de ce cadre-là? Donc c'est un cadre, donc là il y en a déjà un que j'ai fait, que je vous ai déjà présenté pour mes maculatus, mais il est déjà quasiment plein, donc je vais en faire un deuxième. Puis donc je voulais en profiter pour vous montrer comment c'était fait, et puis voilà. Donc en fait c'est un simple cadre assez épais qui à la base est fait pour rajouter des objets à l'intérieur pour faire de la déco en fait, hein. Et derrière vous avez donc, je vais vous montrer ça, une plaque, comme ça, je sais pas si on va bien voir, voilà. Une plaque, voilà, tout simplement, hein, que vous allez pouvoir enlever, donc c'est une plaque en dur. Soit vous laissez, parce que vous êtes un gros fainéant comme moi, une plaque, voilà, comme ça. C'est moi ce que je vais faire, hein, clairement. Hein. Soit vous pouvez faire découper une plaque de verre ou même au pire un bout de plexi, hein, ça coûte le moins cher, et faire votre nid. Voilà. Moi c'est ce que je vais faire. Je vais remettre la plaque d'origine et je vais après donc faire un trou de connexion et je vais tout simplement au dos sceller avec la colle à chaud et du gros scotch. Je vais voir si ça tient sur la longueur et là ça vous fait un nid. Donc c'est valable uniquement, hein, pour les grosses espèces, hein. Puisque là, ce nid-là, il n'y a pas de compartiment. Les salles, là, il y a à peu près, on va dire, 2,5-3 cm de haut. Donc, c'est vraiment des grosses salles. C'est valable uniquement, bah, déjà, pour les grosses espèces et surtout pour les grosses colonies. Hein, voilà. Donc, après, on peut effectivement le rendre plus esthétique. C'est-à-dire qu'on peut mettre derrière à la place une plaque plexi ou alors couler tout simplement une petite dalle de plâtre ou de pierre reconstituée que vous faites vous-même. Hein. Il y a plein de possibilités. Là, moi, je vais le faire vraiment au plus simple. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne une fois le résultat fait, en fait. Hein. Voilà. Et à savoir que je suis vraiment un bricoleur du dimanche. Donc, si moi, je peux le faire, on va voir en fin de vidéo. Hein. Ça se trouve, je vais pas réussir. Tout le monde peut le faire. Voilà. Me revoilà, deuxième partie de la vidéo. Donc, j'ai fini. Donc, j'ai pas filmé parce qu'après, c'était galère avec le bruit de la. De ça en fait, c'est une simple visseuse, hein. Ça je vous l'ai déjà montré je pense, de chez IKEA je crois. Et donc des têtes étagées, hein, qu'on connaît tous maintenant, les têtes toupies, que j'utilise déjà depuis un bon moment. Et donc du coup, ce que j'ai fait, donc là j'ai de la quelques poussières à retirer, hein, au niveau du nid. Mais donc je l'ai percé, je l'ai collé, j'ai collé un raccord parce que moi je vais avoir mes deux nids, plus le nid principal, le diorama que vous connaissez. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et dans un nid comme ça, alors tel quel, c'est bien pour les espèces qui n'ont pas besoin d'humidité, ou même si vous avez vraiment peur qu'elles le forent, ben vous pouvez mettre, comme je dis, une plaque de plexi ou faire un coulage de plâtre, enfin de ce que vous voulez. Vous pouvez même faire un nid dedans directement, je pense. Et derrière, ben moi j'ai fait au plus simple, hein, c'est-à-dire que j'ai remis le fond d'origine, j'ai collé à la colle chaude et j'ai donc. Rigidifié, on va dire, avec du scotch en fibre, donc très costaud. Alors, ça aurait été mieux en noir, du niveau esthétique, ça aurait été clairement mieux, mais comme moi, le nid est censé être utilisé comme ça, si vous voulez, au niveau du rendu total, plutôt bon, hormis là, on voit un petit point de colle chaude, et sur le côté, on voit un petit point de colle chaude, le reste est nickel, quoi. Voilà, donc on est d'accord qu'au niveau esthétique, on peut faire mieux, moi je trouve ça plutôt convenable, du moins quand on voit ça dans une pièce d'élevage ou des gens qui voient ça, ils se disent pas comme ça en l'état, hein, ah c'est immonde quoi. Voilà. Donc voilà comment faire un nid pour une grosse colonie ou même un nid creusable. Hein. Il suffisait, comme je vous disais, vous rajoutez du plexi de l'autre côté, vous mettez du substrat, un trou de raccord et puis voilà, vous avez un nid top. Je me tâte même, alors peut-être que je le ferai pour mes Odontomacus puisque maintenant elles sont à peu près 80, vous verrez ça. C'est une galère. Je les ai fait déménager, mais elles n'ont pas l'air d'être motivées. Donc pourquoi pas faire un nid de ce type pour Ponerine avec du substrat à l'intérieur. Voilà. Donc vidéo très simple. Donc le métal que j'utilise, une mèche étayée avec là, où, clairement c'est une visseuse, des visseuses, mais ça peut être avec une perceuse, peu importe. Un pistolet à colle, donc ça on en trouve partout. De la colle chaude. Du scotch hop, qui est collé d'ailleurs au fil, du scotch en fibre qui est très costaud, très résistant. Voilà, et puis voilà, donc faut pas beaucoup de matériel. Coût de revient, on en a pour 2,50 € de cadre, et on va dire
Allez, électricité et bâtonnets de colle chaude, on a pour 1 euro. Donc en gros, pour 3 euros, 3,50 euros, vous avez un nid qui est quand même grand puisqu'il fait 15 cm sur 25, 20, 30. Non, 25, un peu plus de 25, je crois. Quand vous voyez ma main de toute façon, voilà. Il y a quand même de la place. Voilà. C'est une vidéo très simple. J'espère que ça vous aura plu. Ça me change un peu de ce que je fais d'habitude. Bonne journée à tous. Salut! Bon, finalement, c'est pas finalement au revoir définitif. Je vous montre le résultat final. Alors, peut-être voir 2-3 fourmis en vadrouille. C'est normal, je viens de le brancher. Et j'ai eu une vague d'évasion, clairement. C'est de ma faute. Donc, la nid était branchée. Et pourquoi j'en ai refait un aussitôt? Parce que voilà. Voilà pourquoi j'en ai fait un aussitôt. Quasiment plein le deuxième. Voilà. Bah merci, salut tout le monde, bisous, et rendu final.